I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Hey, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast saison 5. Je suis Nostradaben et me voici accompagné de mon grand ami, Johnny B. Hey, comment ça va, mon Ben? Ça va bien, ça va bien. Yes, sir! Pas de la musique encore. Yes! Puis, on a découvert de quoi de malade. Ben, en fait, moi, ça faisait plusieurs années que je les connaissais. Mais on a l'opportunité d'avoir avec nous Andy Vachon, qui représente l'équipe hommage à Rammstein. Son nom de band, c'est Rammstein. Comment ça va, Andy? Ça va bien, vous autres? Hey, ça va super bien. On est vraiment, vraiment contents. Hey, on voit que tu es dans ton élément, mon chum, avec le genre de panoplie d'à peu près comme 40 guitares en arrière de toi. C'est malade. Ton magasin de musique, ça? Moi, ouais, quasiment. Ah, c'est ça. C'est ma man cave. C'est ça. Puis on voit vraiment que, tu sais, écoute, moi, je vous suis, là, ça fait longtemps, je vous ai vu. Moi, on demeure à Lévis. Je vous ai vu dans le temps à Petite Grenouille à Lévis. Puis j'ai fait « What the fuck? C'est quoi cette bande-là? » Tu sais, tellement fidèle au groupe qui est, on s'entend, un méga challenge à relever. Là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, si tu veux te faire un hommage à un band, Chris, Rammstein, c'est comme le band... Que genre personne veut faire parce que c'est tellement malade, là, tu sais. Puis nous, on voulait savoir, tu peux-tu nous expliquer, tu sais, ton début d'amour pour Rammstein, tu sais, la première chose qui t'a fait vraiment triper sur Rammstein, tu sais. Hey, les débuts de ça, c'est le début des années 2000, c'était à cause de mes parents. Ah ouais, ok. La Radio de Québec, Radio X, faisait jouer Douas, puis ces trucs-là, avec le deuxième album. Puis ma mère, mon père écoutaient ça dans le char quand on allait voir les grands-parents la fin de semaine. Puis à un moment donné, papa, maman, c'est quoi ça? C'est Rammstein. Pis, en cassette. Ah mon Dieu! Ça a commencé là, j'ai toujours aimé ça. Hey, c'est fou, puis... vas-y, mon bel. Ouais, justement, avec un type d'hommage là, que vous faites pour Rammstein, là, vous devez sûrement utiliser de la pyrotechnie. Comment êtes-vous venu à ce niveau de fidélité? Y a-t-il quelqu'un dans le groupe qui se connaît en pyrotechnie? Oui, c'est moi. Dans le fond, c'est moi le responsable de tout ce qui est accessoires, décor, la guitare, les mises en scène. Je fais tout dans le band, à part chanter. Là. OK. Tout le côté technique. Puis tout ça. Oui, c'est ça. C'est moi le responsable de la pyrotechnie. J'ai mes formations là-dedans. On a nos assurances. J'ai eu la chance d'en faire pour plusieurs autres événements au Québec. Là. OK. Mais ouais, c'est ça, c'est un hobby qui est devenu, qui a pris pas mal de place. Là. Puis c'est ça, tu sais, Rammstein, c'est en premier lieu, oui, c'est un groupe de musique, mais c'est surtout très théâtral. On ne peut pas passer à côté de ça. Puis les gens associent aussi ce band-là à la pyrotechnie, au feu, aux explosions. Fait que dès le jour 1, on en avait. Puis on n'arrête pas d'en ajouter. Ah, c'est malade, pour vrai, tu sais. Je prends rapidement quelques secondes parce que honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Je vais juste montrer une photo aux auditeurs. Tu sais, c'est une photo que j'ai prise random. Puis j'ai c'est pour vrai, c'est capoté. C'est fou, honnêtement. Je suis comme, ben voyons. Tu sais, puis les gars sont tellement fidèles. Tu sais, le setup est comme. Ah, c'est débile, ça. Comment? Vieille photo, ça date de plusieurs années. Je pense que c'était à La Prairie, un spectacle d'Halloween. Si tu vas plus bas un peu, là. Ouais. Elle a évolué aussi depuis ce temps-là. Hey, c'est malade, pour vrai. Puis, Crime, comment ça prend de temps, genre, à monter tout ce setup-là? Puis tout, tu sais,
C'est comment je pourrais dire, c'est un work in progress. De fois en fois, on s'améliore, là, mais non, à ce temps, on est rendu. C'est relatif, rapide, là, mais c'est le genre de truc qu'en 1h30, on est fonctionnel. Ah oh, ouais, quand même! Ouais. Ben, c'est à force de le faire, j'imagine. Puis tu sais, vous savez vos setups. On donne des trucs parce que c'est ça, on joue dans les mêmes événements que tout le monde, on peut pas prendre plus de temps que les autres pour s'installer. Non, c'est ça. Donc, c'est bien rodé maintenant. Hey, gars, je remonte des photos, mais pour vrai, c'est comme capoté, là. Pour vrai, c'est fou, là. Puis, tu sais, c'est vraiment très, très fidèle. Il est bien ben oui, c'est ça, tu sais. Ils sont vraiment, en tout cas, moi, ils m'ont fait, pour vrai, ils m'ont fait triper, là. Puis, tu sais, ils sont vraiment, en tout cas, si vous avez l'occasion de les voir, c'était de quoi à plugger en même temps. Je sais que, là, prochainement, vous êtes à la Source de la Martinière. La Source de la Martinière, ça vient de passer. Ça vient de passer. Oui, c'est ça, Côte-Nord. Je suis le ouais, là, par contre, c'est ça. Le 28 juin, ouais, 28 juin, c'est sur la Côte-Nord à Château-Loutard. C'est un festival de moto, une grosse affaire. Puis là, lendemain, on va être du côté de Saint-Marc-des-Carrières le 29 juin. Ouais, mais pour les gens de Québec, c'est très proche. Ouais. Là, c'est à peine 20 minutes. On va jouer sur le terrain de baseball. Il va y avoir que nous autres. Puis ça risque d'être un de nos plus gros shows aussi. Là. OK. Après ça, il y a une petite pause de 2 mois à peu près. Ben là, est-ce que... OK, là, on peut-tu avoir des scoops? On sait-tu qu'est-ce qui se passe pour Rammstein après ça? Est-ce que... Je pense que... C'est parce qu'il y a tellement d'affaires non confirmées. Je vous dirais, pour cette année... Non, les pauses d'été, ben souvent, c'est une question, c'est les festivals, puis, comment je pourrais dire, nous, on est un band qui fonctionne bien sur des gros stages, mais des fois, avec les festivals, c'est un peu plus compliqué. On peut pas tout emmener, puis, tu sais, des fois qu'on a fait des demi-shows, on se les fait, comment je pourrais dire, reprocher, puis, bon, on essaye de faire ça. Si on peut pas faire l'entièreté de l'œuvre, ou si on peut pas avoir de pyro, on ne fait pas de show. Nous autres, c'est no pyro, no show. Ah, ben c'est... No pain, no gain. Mais c'est vrai. Puis tu sais, c'est pas logique aussi, tu sais. Tu sais, il y a plein de normes, de restrictions, tu sais. J'imagine que vos shows ne doivent pas en avoir ben à l'intérieur, tu sais. Parce que puis ça vous prend de la grande scène, là. Ça prend de la grande scène, mais non, à l'intérieur, il y a des règles de sécurité assez strictes. Que je suis habitué d'appliquer puis de suivre. Tu sais, comme je fais ça professionnellement, on a nos assurances, je suis habitué de travailler c'est avec le service des incendies. Nice. Puis chaque événement qu'on fait, on a toujours toutes les autorisations nécessaires. Là. Tu ne peux pas t'improviser pyrotechnicien et faire ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Là. D'ailleurs, on est un des seuls bands à faire de la pyro sur l'île de Montréal, dans toutes les salles à Montréal. Des shows au Club Soda, au Théâtre Corona. Ouais. Puis tout le monde dit tout à l'heure, il est assez plate. J'étais habitué de voir cette bande-là, puis il n'y avait pas de pyro. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est pas n'importe qui peut en faire à Montréal. Il y a des grosses firmes, mais de bandes qui sont. Qui fonctionnent tout seuls. Ouais. Dans le fond, S'ils ne sont pas accompagnés, non, ils vont se faire refuser. Là. Fait qu'ils font des shows de pyro. Ouais. Cool. On a cette chance-là. Ouais, la prochaine question, ça concerne peut-être plus le chanteur, mais tu peux concerner toi aussi. Vas-y. Ouais, ben, est-ce que vous autres, les membres de Rammstein, vous avez fait des cours d'allemand ou vous faites juste le chanter dans les chansons? Non, pas tout. On apprend le minimum. Moi, pour moi, là, j'apprends le minimum pour être fonctionnel dans le band. Ben oui. Par contre, mon chanteur, moi, il y a plusieurs années de chants classiques. Okay. Dans les chants classiques, il y avait beaucoup de pièces qui sont en allemand qui apprennent. OK. Ah, c'est cool. Fait que pour la phonétique, déjà tous les trucs, ben c'était déjà il avait bien acquis. Ah ben c'est cool. Puis tu sais, en même temps, ben ça lui permettait d'avoir déjà des cordes à son arc pour pouvoir vraiment bien performer puis d'être fidèle à Rammstein. Et puis ben j'imagine que là, on va rentrer un petit peu plus dans la profondeur du groupe Rammstein. Ouais. Tu sais, nous aussi, on adore Rammstein. On a toujours suivi Rammstein depuis des années. Puis pour toi, quel est, selon toi, le meilleur album qui a été réalisé de Rammstein? Moi, je pense que c'est comme pas mal tous les groupes de musique. Là, je reste accroché souvent aux premiers albums, ceux-là qui me font découvrir le band. Moi, j'irais avec... moi, c'est le deuxième, c'est Zenzo. Le fameux album avec Douast. Il y a plusieurs classiques dessus que j'adore, mais qui sont plus obscurs. Mais bon, c'est ça. Et puis... tu dois avoir certains groupes préférés à part Rammstein.
Peux-tu en nommer quelques-uns de tes groupes préférés? Moi, j'ai eu ma passe de Motley Crue, Guns N' Roses, des Stacy. Dernièrement, j'ai redécouvert Kiss avec mes petits gars. Yes. Des groupes théâtres. Ben, c'est le fun, c'est des groupes théâtrales, il se passe plein de choses. Puis, c'est ça. Fait qu'on est allé voir le dernier show à Montréal. Okay. La dernière tournée. Ouais, ouais. Ben, ça doit être bien. Toi qui es un grand fervent de pyrotechnie, ben, tu sais, c'est la. Ah, tu n'as pas ton cash? Ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme. C'est là que ça te permet de voir vraiment un niveau professionnel avancé, là, tu sais. Puis j'imagine que tu as vu à multiples reprises aussi Rammstein. J'imagine pas juste au Québec. J'imagine. Non, Rammstein, on les a vus. Ben, c'est ça, Canada, États-Unis, en Europe. On y était aussi dans des festivals. OK, OK. Est-ce que vous avez rencontré les membres du groupe? Est-ce que ils vous. Je fantasme pas sur les membres du groupe. Moi, c'est différent. Ça a tout le temps été l'aspect technique puis du Ben. Puis dans le fond, j'ai rencontré. Le directeur de tournée du groupe, cool. Alphonse, c'est lui qui est là depuis les débuts. Puis qui s'occupe de toute la pyrotechnie, volet pyrotechnique. OK, cool. Fait qu'il peut donner des conseils. C'est ça, ben moi, j'avais déjà appliqué pour faire la pyrotechnie sur le Ben. Ah oui? C'est vraiment cool. Puis quand ils sont passés à Montréal, il y a 2 ans déjà, c'est ça, j'ai eu mon entrevue à Montréal avec les gars, toute l'équipe de pyrotechnique, le directeur de tournée, j'ai vu tout le monde, j'ai vu tout comment ça se passait, puis c'est ça. Intéressant, wow! Et après ça, ça a été positif, j'ai une réponse favorable à mon entrevue, mais c'est moi, 4 ans plus tard, tu sais, les enfants, j'ai eu des enfants, j'ai tout. Puis, on pense que la tournée, c'est seulement les dates qu'on voit sur le calendrier, mais ça commence un mois et demi avant avec les pré-productions. Là, il fallait que je parte en Europe. Finalement, je serais parti quasiment 6 mois en tout et partout. Fait que dans le fond, Rammstein connaît votre ils nous connaissent avec nos affaires puis nos trucs. Puis ça, je vais me permettre de renchérir à ça. Nous autres, c'était en 2014. Nous autres, on avait été invités par le fan club officiel de Rammstein aux États-Unis. OK. On a donné un spectacle à New York. Wow! Avec toutes les gens qui payent leur cotisation annuelle pour le fan club. Fait que, ça fait longtemps qu'on gravite alentour de ce monde-là, de ce groupe-là. Wow, ben félicitations. Il y a plus de personnes qu'on pense qu'ils travaillent pour cette band-là au Québec. On est fort dans le spectacle au Québec, au Canada, là, mondialement. Tu sais, si tu regardes les trucs comme le Cirque du Soleil et tout ça, là, on est présent partout. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, avec tous les shows hommages que vous avez fait à Rammstein en tant que Rammstein, ça a été quoi à peu près votre plus grande foule? Il y a eu des grandes foules dans des petits endroits. Ouais, j'imagine. Tu sais, comme à Sherbrooke, on a eu des théâtres Grenada qu'on a remplis. Wow. On a eu des festivals de la relève à Tetfeld sur la grosse scène de l'Auto-Québec. Des Woodstock en Beauce, on en a fait. Dagobert à Québec, ça c'était... Ah oui? C'était même en rêve. Je pense que le Dagobert, à un moment donné, on était là aux 3 mois. Là. On jouait tout le temps là, c'était tout le temps à plein. Il n'y a pas eu, j'ai pas des full records d'une dizaine de mille de personnes, mais des 2-3 000 personnes, on en a eu. Là. Ah, c'est cool. Eh bien, on vous invite à visiter le groupe sur la page Facebook. En fait, c'est facebook.com/Rammstein. Allez voir ça, honnêtement. Suivez-les, comme Andy vient de le dire. Ben, leur prochain show, c'est dans un bike show. Tu m'as dit cette histoire? Ah, il parle de cette histoire tantôt. Comment? Chute aux outardes, c'est ça. Puis le lendemain, c'est Saint-Marc-des-Carrières. Honnêtement, il faut vraiment pas manquer ça. Puis à Saint-Marc-des-Carrières, c'est rare, mais on aime bien ça d'en faire des spectacles comme ça. C'est gratuit. OK. C'est pour tout le monde, c'est de tous âges. Ça, c'est le fun. On aime ça amener nos enfants, mais on aime ça que les gens amènent leurs enfants aussi. Là. On adapte le show, on fait pas. On fait des niaiseries, mais quand c'est tous âges, certains trucs qu'on évite, comme on dit. Puis ça, qu'on substitue par d'autres choses. Ça, c'est le 29 juin. C'est ça, exactement. C'est la chute aux outardes. OK, c'est ça. Parfait. Super. Je check ça tranquillement dans votre site Facebook. Là. Vous avez hâte d'avoir des articles à vendre, ça se peut-tu, des trucs? Yes. Ouais, des trucs, des lighters, des t-shirts, des patchs.
Des savons. Cool, des savons. Nice. Avez-vous de la vodka? Il y a la copine de mon guitariste qui fait des savons artisanaux. Puis bon, elle a acheté sa gamme de produits puis ça fonctionne. Le monde se lave avec nous. Nice, correct, ça. Ben oui, Crime. C'est une bonne, super de bonne idée. Hey, ça fait déjà 15 minutes, puis juste avant de conclure, en fait, nous, on a l'habitude de faire un segment d'avant-conclusion avec notre invité. Nous allons te nommer quelques noms, et puis en quelques mots, dis-nous quelque chose à propos de ces personnes-là, d'accord? Quelque chose de poli, bien sûr. Yes, la première personne, Céline Dion. Plus grand artiste international qu'on a au Québec. Qui a osé faire des trucs que personne ne pensait faire, puis qui est allé jusqu'au bout. Madonna. Elle a fait des choses, elle est allée jusqu'au bout pour de vrai. Exact, exact. Elvis Presley. Ah, Elvis, il a été de son époque, il a fait des trucs spéciaux. Moi, Elvis, c'est pas vraiment quelqu'un que je connais très bien. On connaît les classiques, mais je pense qu'il a été là, puis il va être là pour rester. Exact. Il a marqué son époque, tu sais. Yes. Andy Vachon et le groupe Rammstein. Hey, boboy. Vers l'infini, plus loin encore. Non, tu sais, on sera jamais aussi gros que le vrai Ben, hein. Puis pour vrai, c'est pas ça le but. Non. Mais tu sais, c'est de... Moi, je me dis tout le temps, le but de cet hommage-là, c'est de faire vivre aux gens ce qu'ils ont probablement manqué il y a une vingtaine d'années, la proximité avec le public. C'est vrai. Tu sais, nous autres, les étincelles, les flammes, quand tu viens au show, là, tu les ressens. Là, versus, j'imagine. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les shows de stade qu'ils font, tu sais, c'est rendu gigantesque. C'est excellent comme spectacle, mais moi, je veux vraiment faire vivre ce qui m'a fait adorer ce band-là. C'est de créer cette expérience. Ouais. Fait que j'imagine que vous jouez les grands succès de l'époque aussi, tu sais, les succès d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que ce qui vous a, comme tu dis, ce qui vous a fait vraiment triper, c'est le début. Fait que j'imagine que vous avez comme quand même gardé un peu plus, tu sais, l'atmosphère du début. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un peu comme ceux qui font des hommages à Kiss, par exemple. Ben, tu sais, souvent, ils vont aller s'identifier à des périodes précises d'un band, tu sais. Et puis, ben, pour conclure, comme à l'habitude, notre ami ici est présent, Nostradaben, en fait, son surnom vient de Nostradamus, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Et puis, il essaie de prédire le futur de nos invités. Alors, la parole est à toi, mon ami. Ben, tout d'abord, Andy, merci pour tout, d'avoir passé quasiment 20 minutes avec nous autres. C'était une expérience de te connaître. C'est un vrai plaisir. C'est incroyable. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Avez-vous déjà joué au Montgolfière à Saint-Jean-sur-le-Richelieu? Non. Ben, je prédis qu'à un moment donné, vous allez le faire. Là, ça serait le fun. Probablement, vous allez avoir une full record à cet événement-là. Yeah, c'est ma prédiction. Yes. je me répète, mais ils sont disponibles sur les médias sociaux, entre autres sur facebook.com/Rammstein, et ils vont faire un événement tout près de chez nous, à peine 20 minutes de Québec, un événement qui est gratuit le 29 juin à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est un rendez-vous. Puis si on est disponible, on va aller vous voir puis vous serrer la main. Ça, c'est certain. Payez une bière. Yes! Bienvenue, toujours. Super. Ben, un gros merci, Andy. Donc, c'était Andy Vachon, chers amateurs du groupe Rammstein. Et on a passé un beau 20 minutes avec lui. Merci beaucoup du fond du cœur, Andy. C'était une entrevue incroyable. On a appris plein de belles choses puis ça nous a fait découvrir vraiment un passionné qui continue de faire triper les fans. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir t'avoir. Je ne sais plus si c'est de la passion ou de la folerie des fois, ce qu'on est rendu, mais bon. Un gros merci à toi. Salut, merci. Bonne journée. Bye bye.